Le budget de demain, c'est une question de choix. Et le gouvernement doit choisir autre chose que d'abandonner les travailleurs canadiens. Ce gouvernement s'est déjà vanté d'avoir tous les outils pour protéger les 2600 travailleurs d'Avios et faire en sorte qu'ils ne perdent pas leur gagne-pain. Quand est-ce qu'ils vont utiliser ces outils? Quand est-ce que ce gouvernement va prendre les mesures pour protéger l'industrie aéronautique du Canada? Qu'est-ce qu'ils vont faire leur job pour que les travailleurs d'Avios puissent garder le leur? Bravo! Madame la ministre des Transports. Merci, Monsieur le Président. Bien sûr, nous reconnaissons l'importance des pertes d'emplois et ce que ça a sur les familles des gens qui ont perdu leur emploi. Mais je tiens à rappeler à mon confrère que notre gouvernement a investi strictement dans la région de Montréal plus de 600 millions de dollars depuis que nous sommes au gouvernement pour supporter l'industrie aérospatiale, Monsieur le Président. Et plus souvent qu'autrement, le NPD a voté contre ça, Monsieur le Président. L'honorable député de Burnaby, New Westminster. 500 emplois perdus à AstraZeneca, 500 emplois à EMD, 500 emplois à Transcontinental, 700 emplois à Mabé et bien sûr 2600 travailleurs d'Avios et j'en passe. 15% de chômage chez les jeunes, 400 000 emplois perdus dans le secteur manufacturier. Qu'est-ce que le ministre a à dire à ces familles qui payent les prix des mauvais choix de ce gouvernement? Pourquoi ne pas mettre l'emploi et les services publics d'abord dans le budget de demain? Bravo. Honorable ministre de l'État des Finances. Well, thank you. And, Mr. Speaker, what we put first is Canadians that are looking for work, Mr. Speaker. And there's still too many Canadians that are searching for jobs. So that's why the budget that will be tabled in this House tomorrow will actually continue on the path that we've started. And that's promoting jobs, economy, and a strong, prosperous future for Canadians, Mr. Speaker. That's important for Canadians to be able to find work. And we would hope, we would certainly hope that the NDP can see their way clear to support a new plan for jobs and growth. The Honourable Member for Burnaby, New Westminster. Well, let's see how they did on the old plan, Mr. Speaker. The IMF says in 2011, Canada finished 130th in economic growth worldwide. In 2012, the figures are even worse, 152nd, according to projections for the IMF. 688,000, almost 700,000 more Canadians are worse off under this government. They're unemployed, they've given up searching for work, or they're in part-time jobs and looking for full-time. That is the real Conservative record. $10,000 a year less for Canadians who've gotten a new job. That's the Conservative record. So why don't they bring forward the Honourable Minister of State for Finance? Well, Mr. Speaker, I sense the excitement in his voice. He's looking forward to hearing a budget that he can support, and I would encourage him to listen very closely because I think there will be a lot in this budget that he can support. One is financial literacy. We're moving forward on financial literacy. That honourable member obviously could use a few lessons because he's comparing developing countries to those that are developed. And I would encourage him to go back to the school books and figure out the massive difference, Mr. Speaker. We would be looking for support, and so would Canadians, for a jobs and growth and prosperity budget. The Honourable Member for Burnaby, New Westminster. Well, what so many Canadian families are looking for is job literacy from this government, because their record has been so poor. And the latest, those who have been sacrificed are the Avios workers. Now, last year, the former Minister of Transport told this House that there will be no job losses with Air Canada. They're going to maintain their overhaul centres. It has to do so by legislation. So why is this government breaking their promise to 2,600 Canadian families? Why don't they act to save those jobs? Why don't they stand up for Canadian workers and do their jobs so that Avios workers can go back to doing theirs? Yeah. Minister of Transport. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. Speaker. Loss of these jobs are devastating for the families. Like I said yesterday, I will repeat that. This is ultimately a private sector issue between these two companies. We will not manage any companies of this country, Mr. Speaker. We respect that. So we are not contemplating a bailout for Avios Air Canada. That's very important for us. Absolutely. Now, Honourable Member for Burnaby, New Westminster. Conservatives just don't seem to care. And what are the results?
Canadian income inequality is growing faster than ever before. Since September 2008, 700,000 more Canadians have seen their situation worsen under these Conservatives. Conservatives have abandoned manufacturing. We've lost 400,000 jobs in that area. We have youth unemployment rates of 15% and a crushing level of debt that Canadian families have never before experienced. So why don't they listen to families across this land? And why don't they produce a budget that puts job creation and Canadian families first for a change? Well, speaking of change, Mr. Speaker, it would be nice if the NDP would change their position and actually vote for some initiatives that we put forward that actually have produced jobs. Over 610,000 net new jobs. He can throw out all the strange numbers that he wants, but what matters to Canadians is there's 610,000 Canadians working today that were not working in July of 2009, Mr. Speaker. That matters to Canadians, and I think what matters to Canadians is the fact that the NDP have already decided they're going to stand up and vote against Canadians. Par les employés d'AVEOS devaient recevoir leur dernier chèque de paye, ils ne l'ont pas reçu. AVEOS devait venir au comité des transports, ils ont décliné l'offre. On a un ministre des Transports en 2011 qui avait dit que les jobs seraient sécurisés jusqu'en juin 2013. On a un ministre des Transports actuellement qui a abdiqué. Si le ministre des Transports n'est pas capable de faire sa job, ma question est au premier ministre. Est-ce qu'il va aller devant la Cour pour faire appliquer la loi au lieu continuellement de jouer la game d'Air Canada? Parce que AVEOS et Air Canada, ça couche dans le même lit. Qu'est-ce qu'on va faire pour protéger les travailleurs? Madame la ministre des Transports. Monsieur le Président, tel qu'on l'a dit hier, Monsieur le Président, le comité des transports verra demain à recevoir les témoins dans le cadre de ce processus-là. Ce député pourra poser toutes les questions qu'il veut bien, Monsieur le Président. C'est une affaire entre deux entreprises privées. C'est une relation d'affaires entre AVEOS et Air Canada, Monsieur le Président. Et nous, dans notre gouvernement, nous respectons ça, Monsieur le Président. Président, quand les travailleurs d'Air Canada veulent exercer leur droit de grève protégé par la Constitution, les conservateurs n'hésitent pas une seconde à intervenir en adoptant une loi injuste. Mais quand Air Canada se fiche de ses obligations légales de maintenir l'entretien de ses avions à Montréal et que cela se traduit par la perte de plus de 2000 emplois chez AVEOS, le ministre des Transports se cache derrière le prétexte que c'est une compagnie privée et il s'en lave les mains. Au lieu de jouer les Ponce Pilate conservateurs, est-ce que ce ministre va faire appliquer la loi ou bien qui démissionne, Titi? Honorable ministre des Transports. Air Canada, 2300 employés d'entretien dans leur compagnie, Monsieur le Président, et qui sont toujours au travail avec Air Canada, Monsieur le Président. La relation d'affaires entre AVEOS et Air Canada est du domaine privé entre les deux compagnies, Monsieur le Président, et on l'a répété, je vais le répéter, que la loi, c'est la loi, et en vertu de la loi, on va s'assurer qu'Air Canada respecte la loi sur leur participation publique telle qu'au début, et leur centre de révision reste à Montréal. Mais c'est au gars Winnipeg, Monsieur le Président, ils choisiront avec quelle compagnie ou dans leur propre compagnie.